salut à tous, c'est M73 et Mortor, salut tout le monde. Voilà pour Planète Next Gen. Donc on a reçu en exclusivité de l'éditeur Grasshopper un jeu qui se nomme Diabolical Peach. Peach, comme je disais, ça n'a rien à voir avec les petits gâteaux Gâteaux fourrés au chocolat. Rien du tout. Voilà. Il y a des vaches. Voilà, et c'est un monde en fait, donc l'histoire rapidement. C'est un baseballer qui est super bon, qui s'appelle McAllister. Il se retrouve dans un monde cauchemardesque où il y a des espèces de personnages complètement débiles. Et il reçoit, en cadeau, un bras ultra puissant. Et va falloir qu'il dégomme tout ce qui passe. Voilà. Donc là, on découvre le jeu, en fait. Ouais. En gros. Moi j'ai joué un petit peu hier quand même. Pour ma part, c'est ma première partie. Voilà. Motard, c'est dépucelage là aujourd'hui. Ouais. Donc on va passer hein, parce que le scénario il est à peu près aussi intéressant que celui de Barbie. Quand même. Non, si, il y a quand même une recherche. C'est, ouais, il y a un scénario. Il y a quand même un scénario, il y a quelque chose. C'est mieux que Plus belle la vie. Zone 1, voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi, je suis celui de droite en bleu. Moi, je suis 51. C'est un bon chiffre. Moi, 69, c'est un peu mieux quand même. On se demande pourquoi ils ont mis ces nombres-là. Allez, toi, tu meurs. On va tous les niquer. Moi, par contre, j'ai le bras gauche. Je suis obligé d'utiliser mon bras gauche. Donc, vous l'aurez deviné. Attends, j'ai pas de lancier de fou, moi. Si, ça y est, je vais les bras en l'air. Attends, moi, je lève les bras en l'air, je vais me niquer. Les bras en l'air. Super attaque. Ok, ça va être à moi. Attends, on est sur mesure de lancer une fois blessé. Hein? Ouais, tu t'es blessé donc. Merde, ah, du coup j'ai niqué mon pouvoir. T'as les boules, t'as les gants, t'as les crottes de l'équipement. Je vais niquer sur la crotte là. Ah, faut pas trop que je me fatigue, c'est où la fatigue? C'est F. Ils ont expliqué tout à l'heure, mais on a pas du tout regardé. Merde, je suis con. Un petit peu trop tôt. Ah, mais ouais, c'est quand même joli. Alors, comme vous voyez à l'écran, on a des bonus ambiance casino. Un peu, ouais. Voilà, et ça nous permet d'avoir des points, de regagner de la vie, d'aller au pu... Putain, y'en a qui arrivent là, mec. Voilà, mais tu peux lui mettre un coup de pied, souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Regardez. Voilà. Donc, le gameplay, vous voyez, il est tout con, on est sur un plan fixe, avec des bons petits graphismes sympas, et... là, il y a le boss qui arrive, on va lui tataner sa race. Attention. Et donc, il suffit juste de faire les mouvements adéquats pour se battre. Elle est beau, hein, lui. Elle est beau. Donc, faut attendre que son aura. Oh putain, mec. Voilà. Jamais vu j'ai ça. J'ai une réception. Go, go, niquez-la. Oh, voilà. J'ai fait un headshot. Headshot. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que. Voilà. Ouais. Bon, le premier boss, c'est très facile, hein, parce qu'on est au début du jeu. Après, ça se gâte. Donc c'est un lapin, un lapin qui a gagné à la, qui a eu la fève, qui a gagné la fève. Ils ont dû se faire une bonne, bonne soirée là, je pense. Ouais, voyons. Voilà, donc on a bien défouraillé. Ah ouais, moi je m'appelle Eugène. Ah ouais, moi c'est McAllister. C'est plus la classe quand même. Ouais, c'est vrai que Eugène. Eugène. C'est vraiment le, désolé pour tous les Eugènes qui nous écoutent. En vrai. Ouais, a pas ça sonne pas trop genre de baseball. Donc, à chaque fois qu'on passe une zone, on a la possibilité de d'acheter, en fait, on gagne des cartes de baseball. Hein, tout le monde connaît l'histoire incroyable des cartes de baseball. En France, pas trop. Voilà, oui, c'est vrai qu'en France, on connaît rien du tout. On est des glands. Mais enfin, vous irez sur Wikipédia, vous taperez baseball. Donc, on peut acheter des cartes, en fait, qui nous donnent en fait, des bonus. Donc en multijoueur, lancer diabolique c'est super attaque, en puissance, etc. Bon là on a passé de thunes donc on va passer puis on va aller à la zone suivante, qu'est-ce que t'en penses? Allez c'est parti. Oh boy carrément. Là à chaud comme ça, t'en penses quoi? Bah, pour l'instant c'est marrant. C'est la première fois que je joue à la Kinect en plus donc c'est vrai que ça... Voilà, c'est oui parce qu'on a oublié de rappeler qu'on était sur Xbox sur Kinect. Sur Kinect, il n'y a pas de manette évidemment. Voilà, parce que la manette c'est presque oui. Presque. Presque hein. Ok, là j'ai peur. Allez, en plus, il y en a partout, faut faire gaffe dans le manège, il y en a qui arrivent. Ah, okay. Ah ouais, regarde la boss. Ah, faut pas trop tirer dans le vide aussi. Voilà, lui, coup de pied. Attends qu'il arrive, tu meurs. Attends, c'est moi qui m'en ai une cuisse. Tape-le, tape-le, putain. Mais lui, un coup de pied. Moi, ça tire plus. Ah, ça y est. Ouais, alors, faut préciser que. On a un espace de jeu qui est plutôt réduit. Comme l'ensemble de mon appartement. Attends, je peux faire ma patate là. Vas-y, envoie la patate.
Voilà. Moi j'ai fait un mien aussi. Vas-y. Alors chaque plus loin dans le jeu, après on peut faire des attaques combinées. Ah ouais, ça peut être. Ouais, ouais, il faut qu'on fasse des positions à la Dragon Ball Z, là, quand ils font les fusions et tout. C'est un moyen de rigoler. Est-ce que si je fais un fuck, il irait transcrire ça? Ah tiens, tout ça encore. Allez, hop. Oh, il est pas mort. Ah, il est ouf. Oh, mais encore notre attaque. On la garde pour le boss? Ouais, moi je dis ouais. Parce qu'il n'y a pas trop de monde à l'écran. Non. Attends, on m'a un coup de poing, tant pis. Excuse-moi. Tu disais ça celui que tu viens de tuer? Ouais. Excuse-moi. Pardon. Ah, il a pris une double boule. Oh, je sais pas ce que je dois faire. Ah, fallait mettre la main. Oh, merde. Putain, je suis vraiment bouffé. Ah, t'as perdu beaucoup d'énergie. Regarde, je vais le faire. Ah non, c'est encore moi. Merde, je suis mort. Attends, faut arrêter. Comme ça, faut faire. Attends. Oh, attends, vas-y. Viens me sauver. Ah merde. On a vu. Tu mon pote. Ça marche pas. Vite. Faut que tu... Ça y est. Oh, moi j'aurais fait une faute. Tu vas perdre de la vie, je crois. Tiens. Joli. Oh, oh. J'ai eu un succès en plus. Sport de l'été. Tu t'es trompé de sport, Pelé. C'était ça? Ouais. J'ai pas fait gaffe. Tiens. Lui, il a pris une double faute. Attends, il y a une tête de mort là. Ouais. Ah, t'as gagné une protection aussi. Oh, il y a un mec à côté ouais, de moi. Si tu tires une boule de feu, en fait, il va se sacrifier. Ah, pour bah toi. Parfait, j'arrive pas à les arrêter. Oh, c'est le boss. Ah, c'est. Ah, c'est un éléphant. Ouais, c'est un éléphant. C'est celui du. C'est pas celui qui fait le chocolat, hein. Non. Tu vois, pour ça, t'as déjà. Oh, ça rebondit. Attends, je crois que j'ai mon attaque. Attaque. C'est qui le premier? C'est moi. Mais je crois que je l'ai plus, moi, du coup, je suis mort. Je suis con. Oh là, c'est bon, ouais. Et tu hâte. Bon, là pour l'instant c'est assez facile. Ouais, c'est... Ah, il se décompose. Boum. Tu penseras à récupérer les défenses. Ouais, ça vaut cher, Libre. Ouais, parce que, ouais. Voilà. C'est gagné. Bien joué, Eugène. C'est un jeu qui est complètement arcade. Hein. Là, il n'y a pas de... Faut pas faire dans le cérébral. Ah oui, là, voilà, c'est sûr. Hein. Faut juste, en fait, mémoriser les mouvements... Les mouvements bah, pour tataner de l'ennemi. Voilà, toi bien. Et voilà quoi. Bon, après, comme je vous disais, l'espace est très réduit donc des fois Kinect déconne parce qu'il a pas assez d'angle de vision. Je trouve ça marche bien. Hein. Et, ouais, mais là c'est vraiment pas optimal quoi. C'est, ouais. C'est la grande femelle. Optimal. Ah oui. Désolé, c'est pourri. Lancez diabolique, on va voir ce qui se passe là. J'aime bien quand il y a des nouvelles attaques. Là, nouveau. On a de l'argent, on a pas beaucoup d'argent. Là c'est qui? C'est que toi qui l'achète? C'est pour les deux tout le temps? Ouais, tu penses? Ouais, c'est gagné! Putain, pour quelques euros on aurait pu en avoir. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, non, je vais déjà aller voir du côté du multijoueur. Ouais, je sais pas ce que c'était. Alors après. Bon, pour l'instant c'est pas mal. Ouais, pour l'instant c'est bien marrant. C'est même très bien la réalisation, Rien à dire pour un jeu arcade. Un jeu arcade, ouais. Je rappelle que c'est un jeu qui coûte 1200 points MS, qui sort le 4 avril. Nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Blague. Ce n'est pas une blague. Nous l'avons. C'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui sort sur Master System. C'est Google qui nous a présenté ça hier soir. Là, j'ai eu une cerise. Attends, j'ai la méga attaque. Ouh, y'a du monde là. Y'avait un mec. Y'en a trois au moins. Y'a. Ah, mais ça fait que sur un mec. Bah ouais, ça fait que sur... Pour ça, faut attendre qu'il y ait des groupes pour viser le tout groupe. Comme ça, regarde. Ah, bien joué. Bah, c'est normal. Tu peux pas tout deviner, mon apprenti. Oh putain, y'a. Voilà, dégage. Putain, par contre, bras gauche, c'est un petit coup de pluie. C'est un peu déstabilisant. Moi, je fais des freestyles. Vas-y, je fais comme ça, ça marche. Ouais. Ah, moi, j'en se déballe comme ça. J'aime pas faire comme les mecs. De toute façon, il y a un méchant. Ah, il est horrible. Oh putain, je l'ai pas vu. Lui, ça me met peinard pour couper la tête. Non, regarde pas. Salut. Oulala. Ah, super. Ah, non, c'est moi. Non, c'est toi. C'est juste toi après. Vas-y, enchaîne. Vite. Non. Voilà. Oh, pourquoi?
Parfait. Il a fait durer le suspense. Ouais, ouais. Bon, en fait, je savais pas si ça, ça s'annulait au bout d'un moment. Non, on va garder les portes. Bon. Le boss. Ah, lui, je crois, il tire des missiles. Ah, ouais, ouais. Alors là, il va falloir que tu vises avec ta main droite. Ma gauche, moi, non? Ouais. Avec ta main gauche, les missiles qui tirent, en fait. Okay. Et en fait, tu vois, ça te met un petit... Ah, ouais. Ça te met une petite cible. Et voilà, le Loki, tu balances, vas-y. Voilà. Ok, je comprends. Mais après, ça va être... Par contre, moi, il me voit pas du tout. Ah oui, parce que c'est à main droite, je suis con. Donc moi, c'est bon. Et hier, bah, j'étais tout seul pour faire, c'était super chaud. Parce que ouais. T'as autant d'ennemis quand t'es tout seul que quand t'es à deux, en fait. Oh, je lui ai fait headshot. Oh, bah, on a fait plein d'effets. Ouais, oh, mais vite. On est en train de bien l'humilier. Il est pas content. Pour attaquer un missile, oui, il a mis pour ça. Là, on est pas mal. Donc, vous voyez, il y a un gameplay qui est quand même bien barré. Ah, hein, c'est... On doit avoir l'air bien de court. Ouais, surtout que ma fenêtre est ouverte, il y a des gamins qui sont bien loin. Il doit se dire. Non, mais on va. C'est vrai que si les gens savent pas qu'on joue à Kinect, ah, oui. C'est clair qu'on a des sacrés tocs. Oui, il y en a. Je crois qu'il est juste tué avec un massif. Voilà. Donc, voilà, petit ours brun est mort. Oh. Non, c'était pas un ours, c'était un panda. C'était un panda, ouais, panda. Désolé pour. WWE. Panda, c'est dans. Panda, c'est Gamecult, je crois, qu'il y a un, panda, un gars qui s'appelle Panda. Panda, ouais, Super Panda. Non Super Panda, voilà. Désolé, mec. On a le jour en exclu avant toi et en plus on te perd ses ennemis. Non, alors fais un bisou, c'est un excellent site. Il y a Pandagra aussi, mais ça, c'est un ami du Grand JD, je sais pas si tu D'accord, ok. Il y a Fiat aussi, Fiat Panda. Ah, vraiment, multijoueur. Multijoueur. Alors, revenons. Oh, double local, double local, c'est ça. Ah, mais 50 euros en plus, ça vaut le coup. C'est pas cher. C'est les soldes de chez Grasshopper. Ok, nickel. Attends, on va voir si dans l'autre page il y a quelque chose. Oh, ah ouais! Il y a de la danse et tout. Attends, double Union Ball. Union Ball, c'est énorme ça. C'est où tu vois Union Ball? Prends les deux, on va pouvoir tous les péter en deux. Et on aura même assez de sous pour acheter la troisième. On va prendre les deux. Attends, non, je peux pas parce qu'il faut payer internet. Payer internet à payer les réparations, ouais. Réparations aussi de notre bras. Non, mais il nous reste 8, ça va. Tu vois belle à Carrefour, bonjour, faut que j'achète un bras. Ah, vous êtes pas Calister? Oui, c'est moi. Le jeune va bien. Allez, zone suivante. Eugène, franchement, je crois que c'est la seule faute du bout du jeu pour le moment. S'il vous plaît, changez le nom. Changez le nom du bonhomme avant la sortie. Oh, regarde, attends, comment il faut. Oh, faudra qu'on fasse comme ça pour. Bah, Union, attends, c'est. Si les deux joueurs disposent de charge. Ah, oui, il faut mettre les deux la charge et on se met comme ça. Ah, on essaie de fit. Oh putain. Et là, on balance. Si, non, attends, c'est pas ça. Merde, bon. Ouais, faut bien qu'on soit synchro. Oh, c'est énorme. Oh là là. Oh, j'aime, ah, moi aussi, là, franchement. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être sans Goku pour vrai. Oh, mais c'est juste. C'est vrai, hein, c'est. Ouais, c'est vraiment pas c'est mal, hein, franchement. Ouais. Ok. Oh, zone bonus. On va tous les défoncer. Je crois même qu'il y a un succès où faut pas utiliser du tout de. Tiens, t'es mort. Faut rien utiliser, tu sais, faut pas utiliser de super combo. Ah, et je crois que ça me débloque un succès. Voilà, faut pas lancer la charge de la mort. On le garde pour après. Avec tout ça, on voit si ça marche. Et du coup, on peut plus faire notre attaque tout seul. Si, je pense. Ah, bah, quoi que non, ouais, peut-être pas. Ça, c'est moins bien. Oh, je pense qu'on peut quand même. Parce que si l'autre il a pas la méga attaque, tu peux bien la mettre. Ouais, ou si l'autre il est blessé. Ouais, ouais. Hein, on fait comment? Ils y ont pas pensé à ça. Me dire comment tout faire. Hein? Bon Dieu. Je vais se présente comme des dentistes. Tuez-moi. C'est vraiment le stage bonus, quoi. C'est vraiment. Là, bah, un super méchant. Quelque chose, j'espère. Ah, bah non. Ah, bah non. C'est Eugène qui a gagné encore. Hein. Ah, un succès. Copain comme cochon. Tu vois, c'est la première fois que tu joues, mais c'est toi qui fais le plus gros score. Ouais. C'est bien. Ça, c'est des années de Call of Duty, c'est obligé.
Désolé, non, c'est pas le jeu que si, le mode zombie, mode zombie. Ah ouais, j'y joue quasiment pas, mode zombie. Ah putain, c'est le seul truc de bien dans le jeu. Ouais, mais c'est assez relou. Donc, ça y est, on a fini le monde 1. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vidéo là? On arrête la vidéo, on arrête la vidéo. Écoutez, merci à tous. Voilà, voilà, c'était ma conclusion. Non, un très bon jeu, à plusieurs c'est excellent, tout seul je sais pas. Bah tout seul, j'ai joué hier, je me suis franchement éclaté. Voilà. Vous voyez, c'est un univers un petit peu loufoque, complètement débile, avec des monstres, un bestiaire totalement loufoque aussi. Voilà. C'est surtout important, c'est le gameplay, parce que ça demande pas de faire bouger le joueur dans le jeu, déjà on se prend pas la tête avec ça. Faut juste exécuter les coups à l'écran et on a vraiment des coups spéciaux et un gameplay qui est assez riche avec une bonne réalisation, des bonnes musiques. Ah non, son, la seule chose négative c'est Eugène. Voilà, la seule chose négative c'est le nom du joueur numéro 2 voilà. Qui s'appelle Eugène. Donc ça faut changer et bah ça nous fait encore un jeu de Grasshopper qui est vraiment pas mal. Voilà. Je sais pas quel est le niveau de cet éditeur. Mais il commence à nous proposer des jeux qui sont vraiment, cas, félicitations. Vraiment bons. On va parler de... Enfin moi perso je parlerai des jeux autour de moi. Voilà ouais, je préfère privilégier les petits éditeurs ouais. Qui s'arrachent un peu pour nous donner des expériences sympas que les gros qui refont tout le temps les mêmes choses voilà. Alors qu'ils ont des moyens hallucinants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous aura plu parce que vous l'avez déjà vu forcément. C'est vrai. Et c'est une bonne précision. Hein, ah non, mais c'est vrai que c'est voilà. Bien. Et je remercie Mortor d'être venu faire cette vidéo. Merci à 73. Hein, car je rappelle qu'il est dimanche et qu'on bosse, on est des vrais Français. Voilà. Donc salut à tous et puis à bientôt sur Planète Neptune. Allez, ciao tout le monde.